meilleur souvenir sur un terrain de basket? C'est compliqué quand même. Allez, le moment le plus fort de ma carrière, je vais dire que c'était battre l'Espagne, en Espagne, en quart de finale du championnat du monde. Pire souvenir, finir quatrième du championnat d'Europe, moins de 16 ans. J'ai déjà fini deuxième, mais bon, c'était très douloureux aussi, mais c'est une finale, c'est quand même plus sympa. Quatrième, c'est vraiment la place du perdant où tu n'as pas de médaille, donc c'était très dur. J'ai pas d'entraîneur qui m'a le plus marqué, tous mes entraîneurs m'ont beaucoup apporté. J'ai eu de la chance d'avoir de très bons éducateurs sur Charenton. Ensuite, j'ai eu de très bons entraîneurs au pôle, à l'INSEP. Enfin, vraiment, j'en ai eu beaucoup. Franchement, je peux pas retenir un seul nom. Le plus marquant, mon passage en Île-de-France. Donc c'était, allez, je vais dire mon deuxième titre de champion de France avec la Saint-Charles. C'était à Challes-les-Eaux, si je ne me trompe pas. C'était à Challes-les-Eaux. Ce qui me manque, la nourriture. Nourriture, mais bon, l'esprit parisien, quoi. Je suis vraiment un parisien, j'ai grandi ici. J'ai toujours été sur Charenton et c'est vrai que l'Île-de-France est quand même une mentalité particulière. Bah, c'était les JB Tours, c'était un plus parce que déjà ça permet de faire du basket supplémentaire. C'est une occasion de jouer quand tu es jeune. Et puis c'est un peu l'esprit streetball, c'est-à-dire que ça te rend plus dur. C'est pas du basket en club, il y a moins de fautes, c'est plus physique et vraiment ça te développe. Les qualités de compétiteur qu'il faut avoir pour le haut niveau. Le meilleur joueur avec lequel j'ai joué, André Iguodala, qui vient d'être MVP des finales. Michael Jordan. Le Seigneur des Anneaux, les deux tours. Classique. Je suis un très grand fan. Alors, j'ai pas de livre de chevet, mais mon livre de chevet quand j'étais petit, c'était le livre du basketball écrit par Lucien Legrand. Tous les soirs, je lisais. Ça t'expliquait comment faire un double pas, comment tirer, comment faire une passe. Enfin, vraiment les bases pour un petit. Et je le lisais tous les soirs et vraiment, je prenais du plaisir. Thibaut Diagne, plat sénégalais. Ma femme est sénégalaise et donc dès que je vais chez mes beaux-parents. J'ai droit à un tiep. C'est un plat à base de riz et de poisson, principalement. Là, je rentre d'Hawaï, c'était plutôt sympa quand même. Alors, 3 semaines à Hawaï, c'était super, donc je vais lire ça. C'était Michael. J'ai eu la chance de le voir ce week-end. Après, je dirais Kobe, sûrement Kobe. Kobe Bryant. Avoir remporté tous les titres possibles et imaginables avec Charenton. Je pense que c'est quelque chose qui n'a jamais été fait et je ne sais pas si ça se refera. On a gagné les deux titres champion de France Benjamin, qu'on a fêté dans ce vestiaire même. Deux titres champion de France Millennium, quatre titres champion de France Baltimore. Enfin, on a tout rasé avec une génération de joueurs. On a tous grandi ensemble. L'un de mes meilleurs amis est de Charenton, on se parle encore, on a eu tous nos titres ensemble. Donc ça, c'est quelque chose dont je suis très fier. Plus grand regret? Pas être champion d'Europe. Une fois de plus, Dom et Eric, et puis tous les employés pour le Pôle Île-de-France, merci beaucoup. Je reviendrai avec plaisir, je suis déjà revenu l'année dernière, je crois. Donc Dom, si tu m'invites, je passerai. Hein. Mais non, merci beaucoup et continue de bien travailler, c'est parfait.